À l'extrémité est du Québec se dresse une mer de montagnes exceptionnelle. Depuis 1937, ce haut lieu d'activité de plein air vise la protection du milieu naturel et des espèces qui y vivent, dont le caribou des bois, dernier représentant de cette espèce au sud du fleuve Saint-Laurent. Découvrez avec nous le parc national de la Gaspésie. Les adeptes de plein air le savent déjà. Jouer dehors offre une panoplie de bienfaits tels que l'amélioration de la condition physique et la réduction du stress. Par contre, il nous arrive parfois d'oublier que les activités de plein air peuvent comporter certains risques. Seriez-vous prêt à faire face à une chute de neige nocturne de plus de 100 cm? Que feriez-vous si un ami se blessait à la jambe durant une excursion? Comment bien évaluer les risques d'avalanche en montagne? Ces cas sont extrêmes, mais la nature magnifique du parc national de la Gaspésie peut aussi se transformer en milieu plus hostile. L'éloignement de certaines parties du territoire, les conditions climatiques changeantes, les communications cellulaires presque inexistantes sont quelques éléments à prendre en considération. Vous préparer adéquatement constitue le premier pas vers la pratique agréable et sécuritaire de vos activités préférées. Ici, dans le parc national de la Gaspésie et aux environs dans la réserve faunique de Chic-Chouc, on retrouve plusieurs sommets de haute altitude. On trouve aussi des pentes abruptes et enneigées. Donc, c'est un endroit idéal pour la pratique du ski hors-piste. Le ski hors-piste, c'est aussi un sport qui est en effervescence depuis plusieurs années. On parle de ski, mais on parle aussi de planche à neige ou même de télémarque. Donc, on appelle ça les sports de glisse en hors-piste. Donc, c'est un peu ici le cœur des activités là, au Parc national de la Gaspésie pour ce genre de pratique de sport. À Avalanche Québec, on a plusieurs programmes. Donc, l'objectif, en fait, c'est de rassembler l'expertise en avalanche, de réduire les risques d'accidents et de sauver des vies. Donc, on a un programme de sensibilisation, d'éducation et d'information pour le public. On rejoint ici les adeptes de ski hors-piste, aussi les jeunes dans les écoles. Et on a aussi un programme de formation avec les professionnels de l'industrie. On parle ici des guides ou des patrouilleurs qui travaillent en ski au Québec. Ensuite, on a un programme de prévision de risques d'avalanche. Et ça, ça se déroule dans les Chic-Chocs, donc sur le terrain de la réserve faunique des Chic-Chocs et du parc national de la Gaspésie. Et ce programme-là, ça nous occupe du 1er décembre au 30 avril. On va faire une journée de sortie sur le terrain pour recueillir des informations sur la météo, sur la neige et sur les avalanches. Et ensuite, on va écrire un bulletin d'avalanche, un bulletin public que vous pouvez consulter soit en ligne ou au Centre de découverte et de services du parc de la Gaspésie. Et ce bulletin-là va vous informer des risques en montagne. Donc, si vous pratiquez le ski hors-piste ou le télémarque, les risques vont changer de jour en jour et il faut prendre la bonne habitude de lire le bulletin d'avalanche avant d'aller en montagne. Ensuite, on a aussi des programmes pour aider les universités avec différentes recherches. Donc, on est associé avec l'Université du Québec à Rimouski, l'Université de Sherbrooke. Donc, on aide les chercheurs et les étudiants à venir sur le terrain et on leur fournit aussi des données météo pour qu'ils puissent faire différentes études. Et tout récemment, à Avalanche Québec, on a un nouveau programme pour la sécurité en avalanche sur la route en Haute-Gaspésie. C'est un programme sur la route 132 et sur la route 198 qui relie Lance Pleureuse à Murdochville. Et là, les risques sont assez actifs, sont assez réels. Donc, les avalanches descendent sur la route plusieurs fois par hiver. Et on a une nouvelle équipe spécialisée qui travaille sur ce projet-là. L'idée de création d'un centre d'expertise en avalanche est survenue en 1999 suite à l'accident tragique de Kanjiksualujuaq dans le nord du Québec où il y a eu 9 morts et 25 blessés.
Donc, suite à cet accident-là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de centre d'expertise en avalanche ici au Québec. Donc, la MRC de la Haute-Gaspésie a mis sur place un projet pilote pour démarrer un centre d'avalanche. Et l'hiver suivant, en 2000, il y a eu coup sur coup deux accidents mortels impliquant des skieurs ici dans les Chic-Chocs. Donc, Avalanche Québec a été officiellement créé en l'an 2000. Donc, ça fait maintenant 17 ans que Avalanche Québec existe. Au début, c'était le centre d'avalanche de la Haute-Gaspésie et ensuite, on a officiellement changé de nom pour devenir Avalanche Québec. Depuis quelques années, on note un achalandage accru de la pratique de ski ou de sport de glisse dans les Chic-Chocs. On voit de plus en plus de gens. Donc, il y a même des nouveaux secteurs qui sont développés. On peut penser au Mont Lyell, qui est juste à l'extérieur du Parc national de la Gaspésie. Et maintenant, on voit beaucoup de voitures dans les stationnements. Donc, c'est assez rare de se pointer une fin de semaine et d'être les premiers à faire la trace, autant à la montée qu'à la descente, comme ce fut le cas il y a peut-être 10 ans lorsqu'on a commencé à skier ici. Et on voit aussi de plus en plus de gens qui sont équipés, donc avec les bons équipements de ski, mais aussi les bons équipements de sécurité en avalanche. Donc à l'époque, c'était assez rare de voir quelqu'un avec un sac à dos, un DVA, une pelle et une sonde. Et maintenant, presque tout le monde qu'on rencontre sur le sentier sont équipés avec des équipements de sécurité. Donc voilà, il y a une grosse effervescence. Et je pense qu'Avalanche Québec a intérêt à s'associer avec à cette pratique de ski hors-piste pour aider à la sécurité en montagne. Le programme de prévision d'avalanche dans le parc de la Gaspésie et la réserve phonique des Chic-Chocs, c'est une entente qu'on a avec la CEPAC. Donc depuis maintenant 17 ans, on a un contrat annuel avec la CEPAC. Et l'objectif, c'est de créer des bulletins d'avalanche, des bulletins pour informer les gens qui viennent sur le terrain de la CEPAC. À quoi ils devraient s'attendre, soit au niveau des conditions d'enneigement en montagne ou au niveau des risques d'avalanche en même temps. Au centre d'avalanche, on a un message qu'on veut véhiculer. Donc, on veut dire que la montagne en hiver, ça doit demeurer un terrain de jeu sécuritaire. Et pour ce faire, pour profiter de la montagne en toute sécurité, on a besoin de s'informer avant de partir, c'est-à-dire lire le bulletin d'avalanche, regarder aussi les prévisions météo. On a besoin de s'équiper avec les bons équipements. On pense au ski, au sac à dos, matériel de sécurité en avalanche, aux radios, matériel, un outil de communication et aussi des équipements de premiers soins. Et il faut aussi s'éduquer, donc prendre un cours d'avalanche. Et si on ne veut pas prendre un cours de sécurité en avalanche, on peut engager un guide. Ici, au Chic-Choc, on a plusieurs entreprises qui offrent des services guidés. Donc, n'hésitez pas à faire appel au guide. À quelle vitesse une avalanche dévale-t-elle? La vitesse des avalanches varie grandement. En dévalant la pente, les avalanches de neige sèche atteignent des vitesses de 40 à 200 km/h. Des vitesses maximales de 350 km/h ont déjà été enregistrées au passage d'une paroi rocheuse verticale. Dès qu'elles prennent de la vitesse, la plupart des avalanches de grande taille sont trop rapides pour être distancées par un skieur, planchiste ou un motoneigiste. Le programme de prévision d'avalanche, c'est surtout le bulletin qu'on fait pour le Parc national de la Gaspésie et la réserve phonique des Chic-Chocs. Derrière chaque bulletin, en fait, il y a à peu près une journée et demie de travail. Donc, la veille de la publication du bulletin, on va faire une sortie terrain. Puis, on va aller à deux personnes sur le terrain pour aller récolter des données puis voir où est-ce qu'ils sont les instabilités. Donc, le matin, avant de partir au bureau, il y en a une des deux personnes qui va sur le terrain, qui va se lever un petit peu plus tôt, puis qui va faire toute la planification de la sortie, la planification matinale de la sortie. Ça consiste en regarder s'il y a eu des avalanches. On regarde en fait l'activité, s'il y a eu des choses qui se sont passées la veille ou pendant la nuit.
Puis après ça, on va aller chercher les données météo en temps réel sur le terrain. Donc, sur le terrain, on a 4 stations météo, en vallée, à mi-montagne et complètement sur le sommet de la montagne. Puis ces stations météo-là nous permettent d'avoir les températures, la quantité de neige tombée, s'il y a eu du tassement dans la neige, puis le vent. Donc, dans les chic-chocs, ils vendent beaucoup. Fait qu'on regarde beaucoup le vent là, pour voir où est-ce que la neige a été déplacée. Après ça, on regarde la météo, la prévision de la journée. Fait qu'on, en fonction de qu'est-ce qui s'est passé la veille ou la nuit, plus qu'est-ce qui va se passer, à quoi qu'on s'attend de retrouver sur le terrain. Une journée type, là, ça peut être, mettons, on va au Oxback. Mais là, on va prendre la voiture, on stationne, on fait un relevé dans le stationnement. Après ça, on part en ski. Puis là, on a un itinéraire déjà établi au bureau le matin. Puis en montant, bien là, on va faire des tests, on va creuser dans la neige, on va regarder les différentes couches qu'il y a dans le manteau neigeux. Écrire le bulletin d'avalanche. Puis après ça, on a la section la plus importante, là, les problèmes d'avalanche. Donc on va lister c'est quoi les problèmes d'avalanche, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, est-ce qu'il y a des plaques à vent dans le haut des pentes nord-est. Donc est-ce qu'elles réagissent très, très bien au passage d'un skieur ou non? Est-ce qu'il y a de la croûte? Est-ce qu'il y a de la neige poudreuse, etc.? Donc toutes ces informations-là, on va les mettre dans les problèmes d'avalanche. Puis en haut, bien, il y a l'indice, donc faible, modéré, considérable, élevé ou extrême. Puis selon cet indice-là, bien, ça donne une idée si on va avoir des petites avalanches ou des grosses avalanches, c'est possible à déclencher ou probable ou très probable. Donc c'est tout des barèmes comme ça qu'on peut, indiquer aux gens là, où aller, quoi faire, puis comment se balader tranquillement là, et sécuritairement dans la montagne. Quand on écrit le bulletin, là, on regarde aussi beaucoup l'information qui est partagée par le grand public. Donc, on essaie de trouver l'information via Facebook ou j'ai entendu dire, mais ce qui nous aide vraiment le plus, c'est quand les gens nous partagent l'information. Donc, il y a une plateforme là, qui a été élaborée par Avalanche Canada, qui s'appelle le MIN, Mountain Information Network. Puis, en fait, les gens, les récréatifs, ils peuvent aller sur la montagne, là, ils ont skié, mettons, 10 cm de neige sur une croûte, un fond dur. Ils peuvent partager cette information-là puis mettre un point sur la carte. J'étais à tel endroit, j'étais au mur des patrouilleurs puis j'avais telle condition. Fait que ça, c'est une super de bonne plateforme de partage d'informations. Puis sinon, bien, vous pouvez juste envoyer des courriels ou nous faire signe, laisser un message sur votre vocal. Ça nous aide vraiment beaucoup parce que notre équipe terrain, elle va faire une destination par sortie, par jour, puis on essaye d'aller rechercher le plus de données possible, mais des fois, il se passe pas toujours la même chose au Mont-Lyell qu'au Mine-Madeleine, parce que c'est quand même un territoire un peu étendu. En tout temps et en tout lieu, la sécurité en montagne doit être au cœur des préoccupations des pratiquants des sports de plein air. Bien se préparer avant de quitter la maison et s'assurer de posséder les compétences nécessaires une fois sur les lieux sont des règles d'or dans le domaine. Afin de vous aider à planifier vos activités de façon sécuritaire, nous vous suggérons de consulter la section « Votre sécurité, votre responsabilité » au cepac.com.